Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Gaël de Toulon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme. Pour moi, ça va super. On se retrouve dans une nouvelle vidéo Clash Royale où on va tout simplement essayer de rusher en live. Objectif 5500 trophées là. Là, on n'a plus le temps en plus. Il reste plus que 2 jours et 14 heures. Franchement, je pense qu'on peut le faire. On peut le faire. On a le deck golem que vous connaissez avec l'extracteur. Il est plutôt pas mal en espérant que l'adversaire ait pas forcément trop de choses pour nous le gratter comme un mineur, une roquette ou ce genre de truc. Allez, on est parti. N'oubliez pas de me soutenir avec le plus beau pouce bleu, un petit commentaire sympa si vous voulez, je sais pas. Et puis voilà, moi j'ai fait une petite vidéo sur les boosts spéciaux, en fait je sais pas ce que vous en pensez, j'ai lu vos commentaires, mais vous êtes plutôt content a priori de ces boosts. Moi j'étais un petit peu réticent, enfin je me suis dit est-ce que ça va pas créer un nouveau trouble dans le sens où ben, c'est encore une fois de plus un petit peu, ben, il faut des gemmes quoi. Il faut des gemmes et ceux qui en ont pas c'est toujours un petit peu la même problématique sur Clash Royale. Du coup, je pensais à vous, mais apparemment, ça vous fait plaisir, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, je reviens sur la partie, il a le mineur, ce qui n'est pas forcément la bonne nouvelle du jour, mais bon, on a réussi à plutôt bien le contrer. Donc ça, c'est pas mal. Au passage, c'est un level 13 asiatique, je connais bien sûr pas le mec, hein, franchement, là, je suis pas capable de reconnaître les joueurs. Alors, il joue géant, donc nous, on en profite pour mettre un petit golem, oh non. Là, le problème, c'est que je voulais mettre les archers et le X, et que si je mets les archers et le bouliste en deux coups, il n'y a plus d'archers. Alors, on met les... Ok, il a BDF. Il a BDF, mon copain. C'est pas gagné, c'est pas gagné du tout. Alors, on met les chauves-souris. C'est vrai que le bouliste, on le croise pas trop souvent, quand même. Hein. On le croise pas trop souvent, et je suis bien content, parce que clairement, c'est vraiment une troupe qui me pose des gros soucis... Alors, on a mis quelques dégâts quand même avec l'explosion et les coups du golem, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, s'il pose un géant devant, il y a le feu là. Ça va, ça va, ça va, ça va, il met ça comme ça. Nous derrière, on va pas défendre le bouliste, tant pis, il va taper deux fois je pense. Je privilégie la défense de l'extracteur les potes. On verra si ça paiera par la suite ou pas, mais j'ai choisi, voilà. Entre l'extracteur et la tour, j'ai choisi de défendre l'extracteur, c'est juste illogique, hein, je suis d'accord avec vous. Mais je pense que ça peut payer. Alors, on va tenter un autre extracteur là, tout simplement parce que je pense que si on a une chance de faire la diff sur ce genre de mec, c'est uniquement avec les extracteurs et le bénéf en élixir. Alors, est-ce qu'on va lui faire jouer sa boule de feu comme... Alors nous, on va jouer la BDF. Je pense que c'est plutôt pas mal ce qu'on fait là. Ah, malheureusement, j'ai loupé la... Ouais, on est bien. On est bien, bien, bien. Et là, direct, on part côté droit. Alors là, hors de question de jouer la défense contre ce genre de mec. On sait jamais. Même si là, je vais quand même la jouer un minimum. Hein, mais je veux dire, je préfère lancer un push de l'autre côté en même temps. Comme ça, on assure un petit peu nos arrières. Voilà. Là, on est pas mal en plus sur la gauche. Ouais, je pense que c'est gagné. Je pense que c'est gagné. Il a pas cramé sa boule de feu, donc nous, la horde, on hésite un petit peu à l'envoyer. Et là, regardez à quel point je suis devant en élixir, les potes. Je gagne pas grâce à mon skill ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. Je gagne juste par le côté patient. Et le côté patient, l'extracteur, ni plus ni moins, c'est juste ça qui paye, quoi. Après, c'est sûr que quand vous avez 4 points d'élixir en plus, c'est beaucoup plus facile à jouer. Et du coup, il prend son perfect ou pas? Je pense que oui. Allez, ciao, la bise. Voilà, ça c'est fait. Bon, on fait une première game. Une entrée en matière plutôt solide. Plutôt solide, honnêtement. On est content. Donc, on va se faire de la place. On va ouvrir le coffre en or. Voilà. Ouais, il n'y a rien d'extraordinaire. Le coffre à couronne, on l'ouvre. Vitesse rapido, j'ai pas le temps. Là. Je suis focus sur les trophées. Alors, vous voyez que c'est plus que 90 minutes, du coup, les coffres argent. Ce que je vous disais, du coup, j'ai acheté le petit bonus. Ceux qui ont vu la vidéo l'ont vu. On est à 5299, les potes, j'enchaîne vite parce que j'ai envie de faire plein d'attaques, en fait. J'ai envie de faire plein d'attaques, mais j'ai pas envie de faire une vidéo de 2 heures. Allez, donne-moi un adversaire, là, donne-moi un bon gros noob, on prend tout. Alors, un joueur Nova, on va souhaiter bonne chance à la famille Nova. On va jouer les archers fond de map, je pense, comme ça. Alors, on va attendre d'être full. Voilà, maintenant on va jouer... Alors, c'est encore un deck cochon, ça. Ça, c'est encore un deck cochon... Et ouais, putain, ah, qu'est-ce qu'ils ont tous avec le cochon? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors là, on a plutôt bien défendu, on a mis beaucoup trop de troupes, mais je pense que, voilà. Vaut mieux plus que pas assez. Hein, je pense que, dans le doute, le cochon, c'est pas trop notre ami. En général, il nous fait du mal. Alors, c'est un deck cochon-roquette ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on tente de jouer l'extracteur là, le premier en tout cas? Je pense que c'est plutôt intelligent de notre part, en tout cas. Ouh, putain, mais qu'est-ce que c'est ce deck? C'est quoi ça? Cochon, 3 mousquetaires, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Ça sort d'où ce truc là?
incroyable. Je sais même pas ce que c'est le truc. Oh là 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 là. Alors, on a les hordes de gargouilles à droite. Pardon, je suis un petit peu focus sur le jeu. Bon, il gratte l'extracteur de fort belle manière. GG à lui. Donc, l'extracteur... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le... Je suis sûr que si je le mets dans un angle, les potes, il a la roquette, le mec. Le mec, il a un deck improbable. C'est pas évident, pas évident, pas évident. Je suis pas inspiré, là. Franchement, je suis pas inspiré du tout. Alors, on va rejouer l'extracteur comme ça. La boule de feu, du coup, on va la garder. Mais j'ai pas le zap qui l'accompagne, en fait. Donc là... Voilà, voilà les copains. Tonton Gaël, il savait qu'il y avait Anguille sous roche. Je savais qu'il nous cachait quelque chose, ce petit cachotier, là. Et Richa, là. Je savais que c'était un malin, lui. Alors, comment on va gérer la sauce, là? Parce que là... Là, je veux pas vous mentir, je sais pas trop comment on va le... Comment on va réussir à transformer la partie, là. Alors là, je pense qu'il va push cochon à droite, normalement. Non, normalement, non. Alors lui, il a mousquetaire, et trois mousquetaires, c'est rare, hein, que les mecs, ils aient les... Qu'ils aient... Ce combo-là. Alors, là, on va mettre notre horde qui, j'espère, il va pas la zapper trop rapidement. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça va, ça va, ça va. Il a été clément. Il a été clément avec nous. Nous, en l'UBDF, ça fasse. Parce que même si c'est la famille Nova, on fait pas de cadeaux. Et on se rend compte que le golem, il est mort. Il est malheureusement mort. Alors, c'est un peu dommage. On va essayer de mettre l'extracteur comme ça. Même si la game, on voit qu'il y a plus de 30 secondes, les potes, clairement, si on vient à pouvoir la gagner ou avoir cette chance-là, ça risque d'être à long terme. Donc, enfin, dans l'extra time, en tout cas. Dans l'extra, dans la prolongation même. Alors, là, on joue un golem à gauche. Est-ce qu'il push à droite ou pas? Je pense qu'il y a des grandes chances. Ouais, il y avait des grandes chances. Je m'en doute un petit peu. Donc là, le gang devrait faire le taf. Ouais, ok. Ok, 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 là, on peut... Alors, il va 3 mousquetaires. Il va 3 mousquetaires, c'est quasi sûr. Il va 3 mousquetaires, c'est quasi sûr. Ah, dommage, 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 j'ai mal joué. J'ai mal joué, je pense que là, on a la win. Je pense que là, on a la win. Oh non, c'est trop bien joué. Il s'est gavé, mais on a la win, on a la victoire, putain. Oh, les copains, c'est un truc de fou, là. Franchement, on s'en sort vraiment bien. On s'en sort vraiment bien parce que là, il me faisait peur. C'est un deck bizarre, ça. Cochon, mousquetaire, 3 mousquetaires. Je sais même pas ce que c'est comme deck. Franchement, on va même pas... On a même pas le temps, en fait. On a même pas le temps de papoter plus que ça. On repart direct en game, voilà. Faut faire un max de victoires, les potes. On a beaucoup de trophées à monter pour arriver aux 5005. Et franchement... Oui, Enfi, je connais ce clan, c'est un joueur asiatique. Donc on tombe sur un joueur asiatique. Le clan, je sais pas si c'est un clan... je sais pas de quelle origine c'est ce clan. Mais j'ai déjà vu, c'est du très lourd. C'est du très lourd. Alors on met un petit chevalier. Voilà, tranquillou. Bon, ça défend. Ça défend, voilà. On va pas se prendre de dégâts. On va cycler avec les archers fond de map. On les divise. Là, on met du gang. Voilà, tranquillou. Pour l'instant, là, il est obligé de jouer une troupe. C'est plutôt cool. La princesse, c'est pas ma copine. Vous savez, en général, elle me fait des gros dégâts. Elle me pose des soucis. Mais pour l'instant, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des chauves-souris comme ça. Aïe, 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 aïe. Il met des gros push, lui. Hein. Il met des gros push, mais pour l'instant, on s'en sort pas mal. Alors, il va me remettre une princesse. En fait, c'est là que c'est compliqué. C'est que la princesse, je suis obligé de la boule de feu. Et du coup, c'est vite, vite, vite relou parce qu'on peut se retrouver bien embêté. Alors, on va essayer de mettre le gang à gauche dès que la princesse aura focus la tour. Alors, on va laisser passer le chevalier comme ça. Ah, c'est bien joué, j'ai posé l'extracteur en même temps. Qu'est-ce que c'est bien joué. Et il met l'esprit de classe. Oh, le mec se gave. Alors là, j'ai rien pour défendre. J'ai plus d'élixir. Donc là, ben malheureusement, l'extracteur, il prend cher. Encore que ça va. Encore qu'on s'en sort à peu près correctement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut tenter un golem fond de map, sachant qu'il va m'agresser, mais comme un fatigué côté opposé. Donc, on va tenter de protéger notre tour qui a le moins de points de vie. On va essayer de rester logique. Lui, il a mis sa princesse pour me mettre des dégâts. Il me force à jouer. Donc, on met la princesse. Là... Ah ouais, il voulait me faire jouer le chevalier. Putain, mais il est hyper bon, lui, en fait. Il est hyper bon, lui, en fait. Alors, il me met des dégâts à droite. Putain, les potes, je sais pas où jouer, là. C'est vraiment, là, je suis en manque d'inspiration totale. Là. Le mec, il me sort des decks que je suis pas habitué à rencontrer. Franchement, c'est un peu bizarre. Alors, on va essayer de jouer l'extracteur encore une fois. On va essayer de jouer ça comme ça. Là, tac, tac, tac.
Alors, normalement, on défend pas mal. A priori, on défend pas trop mal. Ok, on s'en sort, quoique 1400 PV. Hein. Ouh là 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 là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour nous. Alors, manque de bol pour moi, il met des dégâts sur l'extracteur. Quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, les potes. Hein. C'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Là, je pense qu'il a la roquette pour me finir, il attend que ça. Il attend que ça. Là, on va tenter de mettre un gang de l'autre côté. On envoie un petit peu tout ce qu'on a. Il roquette, il envoie de partout. Alors, est-ce qu'on peut s'en sortir ou pas? Je sais pas trop. Putain, c'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf. Alors, il a cyclé la princesse trop vite, trop vite, trop vite. Ah, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Allez, allez, princesse. Allez, Archer. Voilà, ça c'est fait. Alors, franchement, les potes, si on fait un top 5 des attaques qu'on mérite pas de gagner, je crois que celle-là, elle est... Ah ouais, c'est le best. On est noyé toute la game et on s'en sort miraculeusement. Alors, on a rempli une quête au passage. On va checker ça. Qu'est-ce que c'est de beau. 20 pièces d'or et 20 gemmes. Ouais, bon, c'est pas non plus oufissime. Alors, on a combien? On a 5357. On va gemmer tout ça. Et on va repartir en game. T'as, c'est long ces vidéos. Je suis désolé les potos de faire des vidéos plus longues que d'habitude. Hein. Je sais que ça plaît. Il y aura la moitié des gens qui vont kiffer. Il y aura l'autre moitié qui va me dire « Ah, c'est trop long. On n'a pas le temps de regarder une demi-heure de vidéo. » je sais les mecs. Alors, on va essayer de rester un petit peu concentré. Alors, on va. Je vais mettre les chauves-souris comme ça. C'est un deck cabane de gobelins. Ça, c'est plutôt rare, ça. C'est plutôt rare. Alors, on va tenter un chevalier comme ça. Qu'est-ce qu'il y a des dévoilements à tes cartes, là. Faut que je voie le deck que c'est, là. Je vois pas ce que c'est, là. Je vois pas ce que c'est. Ah ouais, d'accord. Ok, donc là, on peut tenter ça comme ça. On peut tenter ça comme ça, là. Ah ouais, non, putain, c'est un deck mortier. Oh, j'aime pas ces decks-là. J'aime vraiment pas ces decks-là. Ah ouais, trop lourd. Trop lourd. Et malheureusement, le mortier, il a pris le focus de la tour. C'est parti pour se faire défoncer. Alors, on va tenter avec les archers. Ah ouais, non, bien joué, bien joué, bien joué. Putain, c'est bien joué. Je déteste. Je déteste ces decks-là. Mais faut reconnaître que c'est bien joué. Et malheureusement, pour moi, on va se faire déboîter la tour. Là, vous voyez que là, il n'y a rien à faire. Là, malheureusement, il n'y a rien à faire. Alors, c'est un deck que je ne connaissais pas. Cabane de gobelins mortier. Malheureusement, il va même me prendre l'extracteur. Ce sur quoi on aurait pu essayer de faire la diff. C'est un petit peu dommage. On en a une autre de poser, mais bon, ça va quand même être compliqué. Hein. On va quand même se battre jusqu'au bout, les potes. Je pense qu'il y a... On peut essayer de faire un truc sympa, quand même. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il fait, là? Il va pas me... Essayer de me prendre la tour principale, quand même, rassurez-moi. C'est vrai que l'extracteur, c'est souvent ce qui me fait gagner, mais c'est souvent ce qui me fait perdre aussi, parce que en le posant d'entrée, ben, vous voyez que vous pouvez vous faire agresser plutôt... De façon plutôt violente. Et du coup, là... Alors. On va essayer de faire ça comme ça. Là, le mortier avait pris le focus de la... Ok, il a gaspillé les flèches. Ça, c'est une bonne info pour nous. Ça, c'est cool. Du coup, nous, on met la horde derrière. Et a priori, on peut lui faire assez mal. Là, normalement, on peut lui faire mal. Voilà, il faut taper les archers. Hein. Par contre, ne laissez jamais les archers. Ça fait trop mal. Je l'ai déjà dit, je le répéterai tout le temps. Mais faites vraiment gaffe à ça. Donc là, on prend la tour. Allez, prends-moi la cabane. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Voilà, fais-moi ça propre. Nickel. Là, maintenant, on va partir de l'autre côté. Ok, gaspille son foudre. J'ai un petit peu l'impression qu'il est en train de serrer notre ami Johnny. Johnny, le roi du mortier. Avec un pseudo pareil, on ne peut pas le laisser gagner, les copains. Là, je suis désolé. Il y a peut-être des joueurs de mortier dans... Dans les abonnés, là, mais là, c'est pas possible. Là, les copains, non, hors de question, là. C'est de la dope, ce mortier, là. Alors, nous, on est en train d'essayer de mettre quelques petits dégâts. On s'en sort plutôt pas mal. Et tonton Gaël, il va faire un joli 4 sur 4, ou pas. Alors, faut pas s'enflammer, mais là, on est bien. Là, on est vraiment super bien. Et c'est gagné. Je suis refait. On aura fait la game la plus naze, l'entame la plus naze, et on aura fait surtout un 4 sur 4. Et les potes, vous êtes peut-être pas au courant, mais c'est la première fois que je fais un 4 sur 4 en fin de saison, en rush, comme ça, en live. Je suis refait de ouf. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je suis content. Et puis, du coup, j'espère que voilà, ça vous aura fait plaisir. Je vais arrêter là, tout simplement, parce que là, ça va commencer à faire vraiment long comme vidéo. Il y aura sûrement un deuxième épisode pour la fin du rush, les copains. J'espère que ça vous aura plu. Explosez-moi les pouces bleus. Passez un bon week-end. Des bonnes vacances. Si c'est la rentrée, une bonne rentrée. Bon courage à vous. Je vous fais des grosses bisous à tous, en tout cas, les potes. À très bientôt. Ciao, ciao.